Bonjour Jean-Michel. Bonjour, mon cher frère. Permets-moi de me présenter, je m'appelle Jean-Michel Jupille et je fais partie donc de cette église Transmission depuis octobre 2012. Avant j'étais membre dans une autre église de Montluçon, mais suite à un décès pastoral, je suis venu ici parce que j'ai trouvé que c'était une église qui évoluait. Avant j'étais en église de maison. Permettez-moi aussi de vous présenter l'église. Il y a Suzanne et Jacques, c'est les plus anciens de l'église, c'est nos doyens. Et puis nous sommes une assemblée dynamique parce qu'il y en a plusieurs qui apportent des prédications. Il y a aussi une bonne équipe de louanges avec David, Gladys et puis Pascal, l'épouse du docteur Salé et quelques autres. Et puis notre but, c'est de gagner des âmes, c'est d'aller de l'avant. Amen. Et puis c'est de faire confiance aussi au Saint-Esprit. Et puis notre église, elle est comme les autres, le Seigneur y ajoute tous ceux qui doivent être sauvés dans cette église et aussi dans cette contrée de Montluçon. Par rapport au lien qui est en train de se faire avec les autres communautés chrétiennes, le travail qui est en train de se faire en fait avec les catholiques, tu peux m'en parler, m'en dire un petit peu plus par rapport à ça. Et bien d'abord, je vais te dire une chose, je suis moi-même un ancien catholique. Mmh. Et c'est donc à 22 ans que j'ai renoué avec Jésus-Christ par le biais d'une église évangélique. Ça se passait dans le département de l'Inde, à Châteauroux. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'il y ait des catholiques ou même d'autres communautés qui s'intéressent à d'autres communautés plus évoluées. Mm-hmm. Parce que les temps de la réforme, ça a été des temps de persécution et maintenant, il semblerait qu'il y ait une ouverture. Et moi, je bénis Dieu pour cette ouverture. Parce que ceux qui ont évolué, ceux qui ont reçu, ils ont, sans que ce soit de l'orgueil, mais bien des choses aussi à apporter aux autres. Mm-hmm. Notamment en ce qui concerne les dons et l'utilisation des dons spirituels. Ok, non, c'est bien, c'est bon pour le travail. Que avant de gagner des âmes dans la communauté, c'est de resserrer les rangs. Et que le corps du Christ aussi, c'est ça, hein, que ce soit les protestants, les évangéliques, catholiques. Donc voilà, il y a du travail à faire. Et, bon, c'est de bon augure pour la suite. En un mot, ça commence à bouger. Mais je vais résumer ça en un seul mot, c'est le réveil. Le réveil, voilà. Et qu'est-ce que c'est que le réveil? Sinon Dieu qui vient visiter son peuple sur la terre. Et c'est aussi un renouvellement, la redescente du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on avait perdues depuis des siècles et aujourd'hui, on commence à les retrouver. Pour ne former plus qu'un seul groupe, plus qu'un seul cœur et plus qu'une seule église universelle, mais en Jésus-Christ. Amen. Ok, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, pour les personnes aussi qui cherchent une assemblée, sachant que vous êtes dans le centre de la France et qu'il y a certains et certaines aussi qui se posent des questions, qui cherchent une assemblée. Donc moi-même, là pendant
enfin pendant que je suis venu avec ma soeur Sabrina Kibli pendant moins de 2 jours, j'ai vu que c'était une assemblée assez familiale, assez accueillante. Donc franchement, j'étais bien accueilli, je sais pas si t'as... J'entends garder cet esprit-là et je souhaite aussi la bienvenue à toute personne qui viendrait aussi nous poser des questions à l'église. Mm. Pour le moment, ce qui est malheureux en France, c'est qu'il n'y a que les chefs-lieux des départements dans lesquels il y a des églises. Mais je désirais que ça s'étende aussi, même dans les petites villes et même aussi dans les campagnes. Mm. Mm. Donc, donc sur ce, bah... ceux et celles en fait qui veulent venir chez toi, enfin chez vous, à ton assemblée, ben, ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus, la porte est ouverte et que. Tout à fait. Il y a une diversité. Donc non, franchement, ça fait plaisir. Et ça, c'est l'image de l'église, tout simplement. C'est l'image de l'église et que Dieu est pour tout le monde. Donc, voilà. Tout à fait. Même je vais ajouter que les musulmans ne sont pas rejetés. Mmh. Mais ils sont comme les juifs, pour qu'ils ont une révélation personnelle de Jésus-Christ. Mmh. Il y a que comme ça qu'ils peuvent être gagnés. Mmh. Voilà. Merci à Jean-Michel pour les questions, pour avoir présenté aussi ton assemblée. Ton assemblée et voilà. Elle est bien petite, mais j'espère qu'on va changer de locaux prochainement et puis qu'on aille aussi de l'avant. Mmh. Nous, on ne s'attarde pas à un beau local. Mais ce qu'on veut, c'est surtout gagner des âmes, les amener au salut en Jésus-Christ. Amen. Et puis persévérer jusqu'à son retour. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci, Jean-Michel. Moi, je connais pas votre fille, peut-être que vous n'avez pas eu une enfance heureuse, peut-être que vous avez eu un foyer brisé, peut-être que même vous n'avez jamais connu votre père, vous avez grandi à la science publique. Moi, je sais en tout cas que on a un père qui est là, et lui, il vous abandonnera jamais. Moi, j'ai vu sa fidélité, j'ai vu son amour, et non seulement j'ai compris qu'il m'avait choisi d'avance, mais j'ai compris qu'il m'avait voulu.